Marco Albarello était le plus grand fondeur de la Vallée d'Aoste. S'il a toujours été considéré comme le plus grand sportif valdôtain, ce n'est pas le fruit du hasard. 9 médailles entre Jeux olympiques et championnats du monde. Un titre de champion du monde dans la technique classique 15 km à Oberstdorf. Un titre olympique en relais 4 fois 10 km à Lillehammer. 4 éditions des Jeux disputées en tant qu'athlète, une en tant que directeur technique de l'équipe nationale, en ont fait une icône du ski de fond. Une carrière d'exception étayée par des capacités physiques et mentales extraordinaires d'un athlète hors du commun. Un mélange parfait entre la tête et les jambes. Moi, chacun des athlètes, quand c'est très jeune, il veut arriver au maximum, non? Il veut arriver aux résultats les plus beaux. Il faut arriver aux Jeux olympiques, il faut arriver aux championnats du monde. Ce sont des steps que chacun garçon et chacun athlète il doit se fixer. Et bon, moi, j'ai toujours pensé aux steps, aux petits efforts qu'il faut faire pour arriver au championnat d'Italie, après au championnat du monde, et après le maximum aux Jeux olympiques. Et ça, c'est vraiment pour moi le but que chacun de nous doit chercher. Et moi, j'ai fait quatre Jeux olympiques, et alors, je pense d'avoir fait quelque chose de bien pour moi. Après le reste, les résultats dedans les Jeux olympiques, c'est une autre chose. C'est une autre chose de la carrière d'un athlète. Mais déjà arriver à participer à 4 Jeux olympiques, c'est vraiment une chose que pas beaucoup de personnes ne peuvent avoir. Ed Albarello si porta sotto. Albarello raggiunge Vegard Ulvang in questo tratto di discesa ed eccoci davanti con Albarello che in questa parentesi dedicata alle retrovie è passato a condurre. Incredibile azione di Albarello. Pour arriver au haut niveau, il faut avoir la tête, sûrement. Il faut avoir les dots physiques pour y arriver. Mais s'il n'y a pas un des deux, tu arrives sur chacun des résultats. C'est pas tout à fait les Jeux olympiques ou le championnat du monde. C'est la même chose aussi dans la vie. Si tu te fixes pas dans la tête un résultat, un but, Tu arrives pas d'un côté, quoi. Tu dois absolument y penser et mettre les deux choses ensemble et avoir vraiment la constance, l'envie d'arriver. La tête, ça vient quand tu as des problèmes, hein, quand tu as des problèmes ou physiques, ou sinon autrement en famille, plutôt dans ton travail, quand les résultats n'arrivent pas. Et pour Saint-Paul, je pense que la tête, ça fait le 80%. Pourquoi? C'est absolument décidé de la tête ce que tu dois faire.
La carrière de Marco Albarello a été caractérisée par une force de volonté exceptionnelle, une détermination qui a petit à petit repoussé ses limites de plus en plus loin. Il a été surnommé le bon géant à cause de sa corpulence et de sa noblesse d'âme sur le plan humain. Il a affronté et gagné tant de batailles. Le moment le plus difficile de ma carrière pendant les Jeux Olympiques, c'était au début quand j'étais qualifié pour les Jeux Olympiques de Sarajevo. Et l'entraîneur finlandais, et il ne croyait pas dans mes résultats, dans ma personne. Et alors, il m'a pas amené. J'ai fait les pré-jeux olympiques et je n'ai pas fait les Jeux olympiques de Sarajevo. Alors, ça, c'était un moment vraiment déçu. J'ai dit, bon, je suis jeune, j'ai encore envie de faire, j'ai encore toute la route devant moi. Mais à la fin, c'est vraiment une période, une page de ma vie qui s'était pas bien. Albarello a commencé à remporter des victoires très tôt, dès son plus jeune âge. À Courmayeur, où il est né, il a grandi sous l'œil vigilant de son père Vito, un homme avec lequel Marco a toujours été très lié. Il était déjà considéré comme un phénomène. Dans la catégorie junior, il s'octroie une avalanche de titres italiens. Marco excelle dans la technique classique ou pas alternatif et se couvre de lauriers. Adulte, il rentre tout naturellement au centre sportif de l'armée qui a précisément son siège à Courmayeur, comme athlète professionnel. Marco débute en Coupe du Monde et en 1987, s'adjuge le titre mondial à Oberstdorf en Allemagne. Medaglia d'argento nella 4x10 ai mondiali precedenti, lo vediamo nervoso al Seefeld. Albarello dovrebbe esprimersi molto bene su questa neve, è quello che ha più potenza delle braccia, è quello che ha più forza. Crescendo, bello il passo alternato di Marco Albarello che taglia il traguardo e in questo momento a condurre con 23 secondi di vantaggio su Smirnov. Bella gara di Marco Albarello. En 1988, l'alpin Albarello participe aux premiers Jeux olympiques à Calgary. Vraiment, le rêve des Jeux olympiques, c'est écrit dans l'histoire. C'est une chose qu'on passe de beaucoup d'années, non? Alors, tu dois arriver aux Jeux olympiques, avoir quelque chose dedans en plus. À Calgary, Marco entame une relation privilégiée avec les Jeux, l'apogée de la carrière de tout sportif. Il découvre un monde qui va lui offrir la gloire. Je peux dire la première fois que je suis allé à Calgary, pour moi c'était tout nouveau, non? J'ai dit bon, l'ambiance qu'il y avait dans les Jeux Olympiques, l'amitié avec les concurrents, l'amitié avec les personnes qui étaient là, le spirit olympique, ça c'est ça qui est resté dedans moi. Et surtout les autres périodes, ça va être les mêmes sur ça. Mais vraiment, les premières, c'est resté dedans moi, dans ma mémoire. En 1992, les Jeux se déroulent pas très loin d'ici, à Albertville. Albarello est fin prêt à collectionner ses premières médailles. Dix jours avant l'ouverture des Jeux, Marco remporte les championnats italiens. Un test important et fondamental pour aborder les Jeux. Bon, championnat d'Italie, ça donne l'état de forme que tu as au moment. Il était en 10 jours, en 15 jours avant des Jeux Olympiques. Alors ça, c'est un step que tu dis, bon,
j'ai gagné. Peut-être que je vais me jouer mes possibilités sur les prochains jeux. Et ça, c'est le moment que tu dis, bon, je peux arriver et je peux donner le maximum pour gagner une médaille. Mais après, dans la compétition, c'est là que tu vois, c'est vraiment la tête de toi. Et elle a gagné ou pas gagné, non? Pourquoi? Ce sont vraiment des moments très, très serrés pour voir si tu as la possibilité de gagner la médaille d'or. Et pour moi, ça a été les meilleurs jeux de ma carrière. Pourquoi? Pourquoi il y avait beaucoup de personnes, des copains de moi. Je suis ici à 100 km de distance. Alors, pour moi, c'était vraiment comme être en la maison, comme être avec des copains, comme être chez moi. Et surtout, les personnes qui étaient au CESI et qui étaient là, ils n'étaient pas de mes copains d'ici, de Courmayeur, mais ils étaient des personnes qui travaillaient là, qui restaient sur le CESI. Et ils m'ont fait sentir comme un de famille. Et ça, c'est vraiment important aussi pour les résultats que j'ai eus. Exploit di Marco Albarello oggi ad Albertville ai Giochi Olimpici Invernali. Nella 10 km di fondo a tecnica classica ha conquistato la medaglia d'argento, giungendo secondo alle spalle del norvegese Ulvang, gara che oggi è stata particolarmente dura per tutti gli atleti a causa di un'abbondante nevicata. Que j'ai gagné à d'Albertville, la première médaille sur le 10 km. Vraiment, ça venait d'une période pas facile pour moi. Pourquoi championnat du monde, je gagnais la médaille d'or. Après, j'ai eu un peu de problèmes. Je suis arrivé championnat d'Italie, j'ai fait bien résultat, j'ai gagné la médaille d'or. Mais je n'étais pas en confiance avec moi. Pourquoi? C'était une période très difficile. Mon père, il ne restait pas bien. Et à la fin, il est venu seulement deux fois me regarder sur mes pistes et sur mes compétitions. Mais après, je venais de la 30 km. Et la 30 km, comme vous savez, je suis arrivé quatrième et je l'avais déjà annoncé à tous, que, à la télé, aux mass médias, que c'était important de gagner la médaille de bronze. Et après, le dernier coureur norvégien, il m'a raté la médaille. Et alors, j'étais plus en confiance, j'étais vraiment dessus pour cet épisode-là. Mais quand elle arrivait le jour de la 10 km, il neigeait comme un fou. Et moi, j'ai dit, bon, voilà, une autre occasion, c'est passé. J'étais pas dans la tête vraiment en confiance, non? Et après, bon, j'ai dit, bon, je suis un poids lourd sur cette neige-là, avec beaucoup de neige. Je ne vais pas faire de résultats, mais j'ai dit, bon, c'est ça qu'il faut faire. Je suis aux Jeux Olympiques, je sais que je reste bien. Le jour, c'était une chose, une compétition. Aujourd'hui, je dois donner tout de moi-même pour arriver au but. Et je suis arrivé deuxième. Alors ça, c'est vraiment la tête, comme je disais avant, qui fait encore quelque chose en plus pour avoir le maximum. Deux ans plus tard, ce sont les Jeux de Lillehammer en Norvège, la patrie du ski nordique. Marco Albarello sta per rilevare questo preziosissimo, importante testimone. Parte Albarello, un distacco irrilevante. L'Italie atteint le sommet de la gloire en ski de fond. Elle s'octroie la médaille d'or dans l'épreuve en équipe. En relais 4 fois 10 km proprement sur le terrain des plus grands interprètes du ski nordique.
Pour les Norvégiens, la défaite est cuisante. Albarello est présent. Comme toujours, il s'alignera dans la section à technique classique, sa technique. Bon, la médaille d'or, Lillehammer, c'était pour moi vraiment, et pour tous les sportifs italiens, je pense, les sportifs du monde, une page comme c'est titulé sur la Gazzetta dello Sport, Campioni per sempre, les champions pour toujours. Et ça veut dire avoir obtenu un résultat vraiment très excellent. C'est vraiment la complicité et l'ensemble de beaucoup de mouvements de notre sport en Italie. Et après, arriver dans un stade de 200 000 personnes qui sont là, qui vont faire du tif, vont faire du bruit pour ces athlètes, pour les Norvégiens qui sont vraiment la guide pour tous les sportifs, pour tous ceux qui font de ce qu'ils font à haut niveau. Quand Fauner il a passé la ligne d'arrivée, il n'avait pas de bruit. Vraiment tout qu'il taisait, et ça me fait quelque chose dedans qui reste dedans. Ce sont des moments qui vraiment dans la tête, il donne quelque chose en plus pour continuer, non? Deli tenta di superarlo sulla destra, ce la mette tutta Fauner, anche Deli, Fauner ancora in vantaggio, è in vantaggio Fauner, ancora un piccolissimo vantaggio offensivo Fauner, Fauner vince l'oro, è d'oro la staffetta italiana, è d'oro, la staffetta italiana è d'oro, incredibile. Marco vit un des moments sportifs les plus importants de sa vie. Le moment plus haut, peut-être ça, pourquoi c'est la médaille d'or, mais je me souviens encore, il y a deux années avant, à Albertville. Pourquoi Albertville? Je ne savais pas vraiment si j'étais en forme, si j'étais le meilleur. Je pouvais me jouer mes cartes avec les autres sportifs de haut niveau du monde. Et je suis arrivé deuxième, et ça m'a donné la confiance pour arriver à ce grand résultat. Et je le mets en parallèle pour les deux résultats. Une, c'est une médaille de deuxième place, mais l'autre, c'est la médaille d'or. Mais je le mets dans le même livre. En 1998, Marco participe aux Jeux Olympiques de Nagano, des Jeux qui auraient pu être disputés à Aoste. Bon, les Jeux Olympiques à Aoste, j'étais dans le comité de d'identité pour voir s'il avait la possibilité de les avoir. Mais le problème, je pense dans ma petite expérience que on avait tous en Italie, en Valle d'Aoste pour avoir les Jeux Olympiques, mais il y avait beaucoup de personnes. On est très très petit en Valle d'Aoste, très performant mais très petit. Et alors, je pense qu'il était peut-être des problèmes d'espace, des problèmes de viabilité, des problèmes d'allogement, de tout ça qui c'est vraiment peu comme problème, mais qu'il pesait vraiment sur une candidature parfaite pour ce genre de compétition. Au terme de sa carrière d'athlète, Marco entre dans le staff de l'équipe nationale. D'abord comme entraîneur, puis ensuite comme directeur technique. À Turin en 2006, Albarello revit les émotions du titre olympique, mais cette fois en tant que technicien. Je peux dire que à Torino 2006,
c'était pour moi encore plus que la médaille d'or que j'ai gagnée avec, avec mes copains à Lillehammer. La confirmation d'un travail qu'on a fait tous ensemble. Et mes garçons, avec les entraîneurs, avec mon équipe, et il a rapporté une autre médaille d'or, et surtout une médaille d'or du mouvement, mais en Italie. En Italie, avec les Jeux Olympiques en Italie. Et ça, ça a été pour moi... J'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois. L'ancien champion de ski de fond a fêté ses 50 ans. Aujourd'hui, il travaille toujours dans le monde du sport, sa raison de vivre. Maintenant, le sport, pour moi, c'est ma partie de vie. Quand je peux tourner un moment pour recouper un peu de temps sur la piste, pour me regarder le paysage et donner des sensations nouvelles, que jamais j'ai eu dans ma carrière. La carrière du sportif, c'est toujours entraînement, toujours la tête en bas, toujours pas du temps de te regarder ailleurs. Alors ça, c'est vraiment ce qui, à ce moment, je vais apprécier. La Vallée d'Aoste du ski de fond recherche un nouveau Marco Albarello. Combien de temps devra-t-elle attendre ?